Bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le 10e épisode de Dead Island 2. Donc on se retrouve là où on s'était quitté lors du 9e, forcément, on n'a pas avancé. Comment tu vas, Lucas? Franchement, ça va. Depuis l'autre fois où on a galéré pour les portes, plus pareil, ouais. Plus rien ne nous arrête là. Et là, on va ouvrir la porte géante maintenant en enfer, mais mis à... juste avant. Tout cela, on n'oublie pas de vous abonner à la chaîne YouTube et aussi de rejoindre le Discord qui est en description. Et c'est parti, ouvre-moi cette porte pour voir ce qui se passe. C'est quoi ce truc? Ouais, les grandes portes comme ça, tu vois, quand tu les ouvres, c'est jamais très bon signe. Ouais. Alors... pas trop envie d'y aller là, tu vois. That went right through me. Je sais pas ce qu'on va faire. Ok, notre perso il sent des trucs en plus. Hein. Il est pas bien. Hein. On est dans un nid ou quoi? Nid de zombies. Oh man, stop it! Mec, c'est quoi ça? Fuck! The place is crawling! Comment ça, il est couru? Il est couru, ouais, non, mais non. Ouais. Okay. Gotta find a way out. Oh merde. Ok. Oh mec, c'est quoi ce qu'on fait? Il y a des zombies ou quoi? C'est par là, c'est par là. Non, c'est parce qu'ici il y avait des trucs à récupérer. J'imagine on devrait tous les tuer. Ok, that was too close. Je peux pas imaginer. Ok, on est en sécurité ici. This is Dr. Reed. Are you receiving? Le Dr. Reed? This is Dr. Reed. Roofs! Roofs! The sewers is bursting with zombies. They've all been drawn to this growing mass of meat. Dissolving the bodies didn't kill it. The missing biomass. That's why you didn't have. C'était chaud. What missing biomass? Doesn't matter now. You need to get out of there. Already on it. Ciao, Roofs. I'll be in touch. Le cœur des ténèbres. Bon, je vais juste réparer mes armes. Crémateur à distance inhabituel. Distillateur. Afflux de puissance. Nuisible. Récupérer, c'est quoi encore? Récupérer, c'est genre. Comment expliquer? Démonter, t'as des objets? Ouais, ça. Bon, il devient un peu inefficace. Non, mais la moins forte sera les 205 avec une hache. Ah non, je vais utiliser le On peut améliorer les armes à feu. Oh, on peut améliorer les armes à feu. J'ai mis des trucs et tout. Genre un pack de balles et tout. Ok. J'ai plus trop d'argent donc je vais éviter mais... Ok ok, bon. Je regarde juste mes compétences. C'est quoi ça? Là pour foncer la roue et donner un coup de café. La période de pousser un coup de féroce qui donne un bonus de résistance à vous et vos communes. Pas mal. Ok,
Du coup, je vais peut-être améliorer mon fusil à pompe, du coup. Voilà. Là, il est chaud. Qu'est-ce qu'on a par cette porte verrouillée? En tout cas, le premier niveau là, c'était chaud. Il y a encore plein de zombies qui sont là. Si j'ai bien compris, ils ont jeté toute la bouillie et tout ça de chair, de mort et tout. Les zombies qui traînaient ici, ils l'ont bouffé. Et le fait que petit à petit, ils continuaient à jeter leur bouillie, leur machin et tout. Ils ont fait que bouffer et ça crée un genre d'énorme nid de zombies, genre hyper puissant. C'est pour ça que eux ils ont créé genre une biomasse machin manquante. On l'avait, ils essayaient de créer une genre d'arme et tout. Pourquoi ça a pas fonctionné? Parce que ces connards, ouais, ils avaient oublié ce détail. On continue parce que sinon. Il y a une porte à ouvrir. Non, c'est justement de la convenance. Ok. Avec une arme. Oh, couteau militaire. Ralliement. Je sens qu'il va nous tomber un espèce de boss ou je sais pas quoi. Ok, j'ai vu la salle d'en dessous. C'est juste un stroll dans le parc. On va tomber. Straight across. Ouais, voilà. Look down. Oh. C'est sûr, en fait, on va tomber. Lake. Very smooth. Not a ripple. Et? Here you are. I've been looking for you. Jolly good. Do I know you? Know me? More than you realize. Look, let's do the introductions of this, Oh, c'est bizarre. Do you feel that? Pulsing in your marrow. Like a promise. Hey? How the hell did they get here? I'm going to Santa Monica. Right? I'm leading through that door. Don't make me go through you! You've got your eyes wide shut. Clinging to the edge of the pool. Too afraid of drowning. I'm gonna have to help you let go. I'd rather not. Careful! Don't do that! Ah! Oh! Mais je sais pas si ces gens sont réels ou pas. Je pense que c'est dans sa tête. Ok, enfin je sais pas. Hein? Ah la rage. Ah oui la rage. C'est bien stylé par contre. Oh, what the fuck? What is this? Mode colère sanguinaire déverrouillé. I need to talk to that doctor in Santa Monica. Colère C'est bien comme truc, c'est pas mal.
Déverrouiller. Ok, bon, on a déverrouillé la rage. C'est vrai que c'était bien dans le premier. J'ai envie de tester le fusil à pompe. Maintenant qu'il est... C'est la jauge en haut. Oh, c'est puissant. Bien ma masse. Just keep going. Bon, objectif lors de cet épisode, c'est quand même sortir des égouts. Ouais. Allez, on y va. Oh my god. Daylight. Oh là, enfin oui, la lumière du jour. Oh, regarde. C'est vrai ça. Que j'aurais pas dit mieux. Mec, regarde au-dessus. Oui. C'est vrai que ça fait du bien de retrouver un peu de soleil. Nearly there. Non. Ils font mal, hein? Ouais, ils sont à nouveau au-dessus de nous. Je m'y attendais pas en fait, du coup. Ah, t'es mort! Ah ouais? Hey, oh, j'ai sauté. Ah, je suis mort. Ouais, malheureusement, j'ai pas pu te sauver. Ah, à chaque fois, je me fais tuer par un bête. Je suis vraiment mort parce que je pensais qu'ils avaient le même niveau que nous et que du coup... J'ai tué la hurleuse. C'est chaud. Ah, on peut voyager vers Venice Beach. Mais avant ici, il y a un petit établi. Moi j'ai rien à... Je viens de tout améliorer donc ça... Rien à récupérer ici. Boîte de rangement, poudre à canon. Il y a un mode liquidateur à distance inhabituel. Regarde, mode colère sanguinaire, je peux l'activer. Ok, voyager vers Venice Beach. On va découvrir Santa Monica. Los Santos. Ouais, c'est presque ça en fait. C'est vrai que c'est ça un peu. En tout cas, je suis bien content de reprendre le let's play, c'est cool. Ah, moi aussi. C'est une nouvelle zone qui charge, donc ça prend un peu plus de temps. Même moi, ça prend du temps. C'est normal, c'est une nouvelle zone.
Glamis Beach. C'est quoi ce machin? Avec les bus, j'aime bien. Ouais, c'est cool. Not funny. Same as the hotel. This must be near the end of an evac room. Oh. Venice. Shit. That's south of Santa Monica, wow. Right? C'est beau. Déjà tout ça en garde-bus, c'est tout stylé. Alors là, ouais. Alors on est au summum, là c'est Venice Beach. C'est beau Los Angeles. Ok. Santa Monica. Il me dit si c'est bon. Trouver un endroit pour vous reposer. Oh, sweet hallelujah. Survivors. Going mad talking to myself. Non. Mais non, bah allez, bah putain. T'as toujours les gros trucs de merde. Yo! You okay, bruv? Why are you on the roof? Aïe, hein. Tellement l'auto, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est cool. Ok. Fermez la porte avant que d'autres ne rentrent. Ou quoi? Ah, j'en ai trouvé un, c'est bon. Ouais, il est bien aussi. Parce que moi il a un... Thank you.
Oh mon dieu. Ok. Et ouvrez-nous. Come in, quick. Yeah, sure. Un camp de survivants. I'm Kai. Excuse the mess. I'm doing my best. Go through. The guys are in there. Ah, lovely. Holy fuck! It's Jack the Giant Slayer. Autographs later. If I'm still alive. You want to blast on a Trent special? Nah, your swag stinks of gusset. Don't see any more of your swole bros, Alex. They ain't my swole bros. How many fucking times? Welcome to the Blue Crab. You're welcome to stay. We got plenty of real good food. Yeah. We could certainly do with your, you know, techniques. You are not normal. Yeah. Top shelf all the way, bro. But I'm just sliding on through to the Serling Hotel. You're screwed, man. That whole area was militarized. Miles of fences and razor wire. Checkpoints and... shit. Mets-toi à côté, mec. Hein. Thousands of those ham brains trapped in the evac zone. Then there's the death pits. Death pits? Listen to you assholes. The death pits. The emo motherfuckers. On spéciaux quand même. We got enough problems right here. Zompocalypse kicks off the week of the strongman competition. Giant fucking roid soak monsters everywhere. You know what I think? What? Hey, what you fucking think, bud? I think. Hey, guys. Oh, comment il est mort? Oh, keep coming. They're gonna get me. And then there were three. I'll get the mop. Okay, Mom. I'll help these boys. Mon dieu. Hello. This is Emma. Mm. I'm trying to reach. Emma Jaunt. What did I do now? Okay, let me tell the whole world it's me. Listen, I wanted to talk to you about poor dear Michael. I was upset. You didn't have to actually leave. Emma, darling, chill. I was leaving anyway. Yes, well, if it doesn't work out, you're welcome back here. Thank you. I appreciate it. And I appreciate this call. Michael was a good guy. See you when I see you. Bye. Better not show with hundreds of refugees. Soon as they found out what you're really like, they'd all leave anyway. Okay. C'est pas faux. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. Le deuxième épisode, c'est pas mal. Comment le mec, il est mort. L'endroit est beau, j'aime bien. Ouais, le mec, il est mort, il s'est fait défoncer. C'est vraiment le coup du karma. Hein. Ouais. Bon, sur ce, on espère que vous avez bien kiffé ce dixième épisode. Nous, en tout cas, oui. Même s'il était un peu plus court que celui-là d'avant. Mais on est enfin sortis des égouts. Et maintenant, on va pouvoir découvrir Santa Monica. Tranquillement. Oh, par contre, c'est juste... On va juste fouiller un peu la zone ici. Et voilà. Sur ce, portez-vous bien et à très très bientôt pour le onzième épisode.